Alors là les amis, je suis en face de la place Amal, ici à Agadir, et je dois vous avouer un truc, c'est que j'ai commis une grave erreur. Il y a 2 jours, je suis venu ici juste avant d'aller à Mirleft et Sidi Ifni. Je suis venu manger, il était 19h, 19h30. Je pensais avoir retrouvé le meilleur burger, vous savez, le hamburger, egg burger, cheeseburger. Sauf que il n'y avait qu'un stand. Et j'ai pas fait attention, comme les deux étaient verts. Enfin, c'était il y a 2 ans et demi déjà. Je pensais être retourné au bon stand. Et non, là je viens de revenir à Agadir 2 jours plus tard. Et j'ai retrouvé notre ami Abdul qui m'avait fait ce fameux hamburger, cheeseburger, egg burger. Et d'ailleurs, la légende dit vrai, hein. Il m'a dit qu'il y a des abonnés qui sont passés après mon passage et du coup que j'étais le bienvenu pour venir manger chez lui le couscous, etc. Même que là en ce moment, dans pas longtemps, il y a la fête de l'Aïd, donc une fête très très importante pour les musulmans et donc les Marocains. Il m'avait dit que j'étais le bienvenu chez lui, etc. Mais je suis déçu parce que je pensais vraiment avoir retrouvé le stand et c'est pas ça, c'est que quand je suis arrivé en fait, les 3 gars qui étaient sur le stand, le premier stand, parce qu'en fait il y a 2 stands côte à côte, et là le stand où j'ai retrouvé Abdul n'était pas là le soir où je suis venu, il y a 2 jours. Donc moi je pensais vraiment que c'était le premier stand, et donc les 3 mecs qui étaient là, ils parlaient pas français et ils ont pas trop capté. J'ai essayé de leur parler un petit mot en français, un petit mot en anglais, un petit mot en arabe. J'ai dû leur montrer la vidéo YouTube en fait pour qu'ils comprennent ce que je leur dis. Et ils m'ont dit ouais non, ce monsieur avec la moustache, il est pas là, il vient qu'à partir de 22h. Mais en fait je crois que c'était pas vrai, ils ont dû complètement confondre 2 personnes. Bon, en tout cas c'était très bon chez eux aussi, hein. Mais moi il y avait ce personnage du hamburger, egg burger, cheeseburger, voilà. C'était mythique, c'était chez lui que je voulais retourner. Donc je me suis trompé. Après ils font la même chose, hein. Ces 2 stands côte à côte, ils font exactement la même chose, au même tarif. C'était très bon chez l'autre aussi, sincèrement. Mais là ce soir, j'ai retrouvé notre ami Abdul qui était là. Il m'a dit, ah mais il y a 2 jours j'étais pas là en fait. Donc voilà, d'ailleurs je vous montre le passage tout de suite. Salam. Ça va bien, Mr. Burger, cheeseburger, egg burger, egg burger. Alors, où vous étiez passé? Je vous ai pas vu. Vous avez disparu. Tu passes par ici? Mais je suis venu la dernière fois, c'était fermé. Je suis allé là, c'est pas chez vous là. Hier je suis fermé. Mais là, c'est pas chez vous. Avant. Avant. L'année dernière. Ah, vous avez changé de boutique? Oui, je change à développer. Développer, parce que moi, j'ai mangé ici il y a 2 jours, chez Hassan. C'est pas la même. C'est pas la même. Ah, c'est pas la même. Alors, j'ai pas mangé le fameux egg burger, hamburger, cheeseburger. Meilleur que le McDo. C'est le meilleur que le McDo. C'est meilleur que le McDo. C'est meilleur. Et c'est moins cher en plus. Tu dis déjà mangé, c'est qu'on était en train. Mais je suis déçu, en fait je suis pas allé du tout à la bonne adresse alors. Oh non. Parce que moi je suis allé là-bas il y a 2 jours, mais je pensais que c'était chez toi. Moi je ne vois déjà, je ne vois pas. Mais attends, alors, qu'on soit d'accord, celui qui est à gauche, c'est pas le même. C'est pas le même. Ils font la même chose, mais c'est pas le même. Tu es désolé avec moi à vivre. Mais oui. 2004. Mais 2014, oui, il y a 2 ans et demi. 2 ans. Mars 2017. Plusieurs des invités qui arrivent chez moi et prennent des photos. C'est vrai? Ah, des Allemands, des Allemands. Il y en a même qui m'ont dit que tu voulais m'inviter à manger le couscous, il paraît. Ah oui, mais je l'ai déjà. C'est la fête des 30, vous passez avec moi à la maison pour manger le couscous, oui. Avec plaisir. Tu fais avec moi la fête. De l'Aïd. Ah, ouais. C'est gentil, Soukran, merci beaucoup. Pour gorger le mouton, pour vivre l'histoire des musulmans avec la fête. Ouais, du pour voir un petit peu la culture. C'est votre choix. C'est gentil en tout cas. Merci beaucoup. Soukran. Ah, mais je me suis trompé, j'ai honte. Mais franchement, en 2 ans et demi, ça ressemblait tellement pour moi. Attends, et en plus, c'était. Pour moi, c'était un peu avant quand je suis venu il y a 2 ans et demi. Il était juste là, dans une petite. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. Il y a eu du changement. Moi, je résoudrai pas le mystère ce soir, mais en tout cas, c'est lui que je voulais vous montrer. Il est bien là, il est bien ici. Comment tu t'appelles? Abdul Kabir. Comment? Abdul Kabir. Abdul Kabir. Yes. On peut dire Abdul pour le diminutif. Abdul. 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 Yes. Voilà. Chez Abdul, c'est ici. C'est pas là-bas. C'est ici, là voilà. En 2 ans et demi, il a juste avancé de 2 mètres. C'est ici. Donc, si vous voulez manger chez lui, le egg burger, hamburger. Bon, c'était pas mauvais en face, hein. Attention, loin de là. Mais c'est chez lui.
Bienvenue. Donc voilà, je marchais dans la rue, je remontais l'avenue principale d'Agadir et je suis tombé sur lui comme ça. Ah bah, qu'est-ce que tu fais là? Je suis passé à deux jours, on m'a dit que t'étais pas là. Mais attends, mais c'est pas le même stand, je comprends pas, il y a deux stands côte à côte, mais t'étais pas là avant. C'est comme ça, fallait que je vous le fasse comme ça, réaction à chaud, ce qui s'est passé. Mais bon, ça m'a pas empêché de tourner une vidéo street food très 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 sympa. Et là, je suis sur la route pour retourner dans l'avenue où il y avait mon auberge à Agadir pour essayer de voir si Hussein, chez qui j'étais parti manger il y a 2 ans et demi, est toujours là. La personne, vous savez, chez qui j'étais parti manger le fameux poulet à la citronnelle à la marocaine. Donc on va voir, on va essayer de lui faire une petite surprise. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il n'est pas là? En attendant, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, activer la cloche des notifications, liker les vidéos, les partager. Les vidéos que j'ai sorties il y a 2 ans et demi ici sur le Maroc, allez les voir. J'ai sorti également une aventure en Amérique du Sud, en Amérique centrale, Mexique, Belize, Guatemala, qui était superbe. Puis n'oubliez pas de me rejoindre sur mon compte Instagram, Benenco. C'est comme ça que vous pouvez suivre l'aventure en live, comme si vous y étiez, bien avant les vidéos YouTube. Je suis comme ça, voilà. Je suis en train de faire des petites stories, des photos. J'alimente mon compte. J'ai acheté le maillot du Maroc cette année en plus. Je fais un peu plus local comme ça. Et voilà les amis, il me reste plus qu'à vous dire prenez soin de vous. N'oubliez pas de voyager. Surtout, n'oubliez pas que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. C'était vraiment, voilà, quand rien n'est prévu, tout peut arriver. C'est exactement ce qui s'est passé ce soir. Et là, c'était vraiment une petite réaction à chaud. Fallait que je vous le partage parce que ça arrive. J'ai fait une big erreur, voilà. Ça arrive même aux meilleurs d'entre nous. C'est comme ça que ça se passe. Ciao, ciao. C'est incroyable, on a retrouvé tout le monde. Le vendeur de sardines à 15 dirhams, Mr. Bean. Ouais, Mr. Bean, ouais, on a pris des photos ici. Exactement. Ouais, exactement. C'est incroyable, ouais. Je pensais pas qu'il se souviendrait de moi. Ouais. T'as une bonne mémoire. Ouais, toujours. J'ai retrouvé tout le monde aujourd'hui. Hein. Ouais, j'ai retrouvé le vendeur de sandwich, l'Agadir. Salam, ça va bien? 2 ans et demi, je n'étais pas revenu. 2 ans et demi. Je suis de retour. Ouais. Comment ça va? Bienvenue. Bah merci, bah écoute, on viendra manger des petites sardines. Hein, oui, demain. Avec grand plaisir. C'est le dernier jour pour les sardines, demain. Ah oui, après c'est l'Aïd. Ah, oui. Bonne fête, d'accord, en avance. Demain, à midi jusqu'à 4h. Ça marche, bah écoute, avec grand plaisir. D'accord. Merci bon beaucoup. Shukran. Au revoir. On retrouve tout le monde. Je fais une petite aparté, je dis que je finis la vidéo, je la reprends. Ça devient sans dessus dessous. D'ailleurs, petite anecdote, vous vous souvenez dans l'un des épisodes où il y a un monsieur en djellaba qui me dit « Bienvenue au Maroc, vous êtes ici comme chez vous, etc. » Bienvenue au Maroc, vous êtes dans votre deuxième pays. Oh merci, tout c'est gentil. Tout le monde parle votre langue, ne vous en faites pas, il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir. Bienvenue. Merci beaucoup, c'est gentil. Bienvenue, je vous en prie. Shukran. C'est un plaisir. Merci monsieur, bienvenue. Au revoir. Ça s'était passé ici là, juste derrière. Alors là, je suis un peu en contre-jour. En fait, je descendais la pente comme ça de mon auberge, j'avais besoin d'une info. J'arrête une personne comme ça au pif. Et là, je tombe sur ce monsieur qui me renseigne et qui me dit « Bienvenue au Maroc, vous êtes ici comme chez vous, etc. etc. » Bon, on a trouvé 2 personnes qui avaient fait partie de l'aventure Maroc il y a 2 ans et demi. Espérons qu'on trouve la 3e maintenant. 3 sur 3. Le vendeur de street food burger. Le vendeur de sardines. Et maintenant, j'ai retrouvé Hussein. Sauf que ce n'est plus un restaurant. J'ai eu du mal à le retrouver parce qu'en fait, je me baladais là, sur l'avenue. Donc moi, j'avais mon auberge un peu plus haut. Je comprenais pas. Je dis « Mais c'est pas possible !» Le restaurant, il était ici, je comprends pas. Du coup, j'ai montré ma vidéo YouTube à l'un des employés d'un restaurant juste à côté. Je dis, vous connaissez Hussein, etc. Il m'a dit, oui, c'est toujours là. Je dis, mais je comprends pas, c'est pas un restaurant. Et là, j'arrive, je trouve une parfumerie avec notre ami Hussein qui est juste en face de moi. Mais par politesse, je vais pas le filmer parce qu'il veut pas que je le filme. Mais il est juste à côté de moi. Voilà. Et je dis, mais attends, c'est pas possible. Je comprends pas, c'était un restaurant, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, bah, je suis revenu à mes activités de base. Moi, je faisais ça avant, de la parfumerie, du cosmétique. Voilà, c'était ça que je faisais. Donc, il a changé d'activité, mais il est toujours ici. Ça fait plaisir, 3 sur 3, on a retrouvé les 3 personnes. Très bien. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir, bien sûr. Ouais. Ben, écoute, j'espère peut-être pas dans 2 ans, peut-être à l'année prochaine. Inch'Allah. Peut-être d'ici là, t'auras réouvert le restaurant. Parce qu'en plus, moi, je voulais venir manger ici un petit tagine, tu vois. Tu me diras, la cosmétique, je reviens au restaurant. Shukran, merci beaucoup. Au plaisir. Au revoir, Hussein. Ah, c'était génial, 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 merci beaucoup. 3 sur 3, j'ai retrouvé les 3 personnes qui, voilà, 3 personnes qui avaient fait partie de l'aventure Agadir des premiers épisodes. Maintenant, officiellement, je peux vous laisser tranquille, c'est la fin de cette vidéo. Ciao les amis, ciao ciao.